Salut à tous, c'est Screech. Retrouvez-moi sur BFM TV pour une interview exclusive en ensemble. Japonais, Thaïlandais, même Coréen. Banks. On s'envoie des Snapchat depuis des mois. Arrête tes manières, il serait temps qu'on se voit. Tu me trouves des excuses à chaque fois. Tu me dis que ton genre de book, non, c'est pas les Renois. Pourtant, t'as liké toutes mes photos. Tu dis que je suis beau gosse à ta photo. Et pourquoi tu rages quand je suis avec le Pinko? Tu sais pas ce que tu veux, j'en deviens loco. Pour la première fois, je suis un artiste parisien. Je suis originaire de Rennes à la base. Et ça fait à peu près 6 ans que je suis dedans. 6 ans que je suis dedans et voilà, petit à petit je suis marié. Le plus grand public que t'as connu vraiment avec les sons Pourquoi Lou. Ouais. Et parle un peu des sons, c'est toi qui l'as écrit ou bien... Ouais, j'ai écrit, le son je l'ai écrit de A à Z. Tu vois, c'est une histoire vécue. Il y a même récemment, il y a une chanson qui vient de sortir, c'est Samira. Samira, Samira, je suis pas un mec à meuf, je suis pas un salaud. N'écoute pas ces jaloux sans faire des efforts. T'aimes trop fouiller mon fun pendant que je dors. Tu déconnes, Samira, Samira. Mélanger, mélanger, mélanger. Ne pleure pas, t'as tout mélangé. C'est une histoire vraie en fait, tu vois, c'est l'histoire de moi et mon ex. En fait, on devait se fiancer et ses parents, ils ont pas accepté en fait. Moi, je pense que c'est par rapport à ma couleur, mais tu vois, après, je sais pas rentrer dans le détail, mais... Voilà, j'ai mis une ouais, c'est ma gueule, ils m'ont pas accepté, quoi. Ils ont dit non, on veut pas t'aimer. Donc voilà. Et j'ai mis ça en image, que c'est... On parlait de ça, je pense qu'il n'y a pas assez d'artistes qui met cette histoire en avant, quoi. Parce que ça arrive à plein de gens que je connais. Si moi tu veux mon cœur ou mes love, Samira, 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 Samira. Elle m'a cassé la tête toute la semaine. Elle attend que je lui ramène des preuves formelles. Et quand je lui réponds pas, je la mets hors d'elle. Hors d'elle, hors d'elle. Je comprends pas. Bon, on parle d'ailleurs des petites histoires. Parce qu'il y a aussi un problème qui est récemment là, qu'il faut trouver, c'est avec Bassin. Parce qu'il paraît que c'est toi qui as fouté la vidéo, qui a publié et tout. Ouais, en fait, au début, je t'explique. Tu vois, justement, le son Samira en question, c'est le son que j'ai fait avec Wassila, c'est une chanteuse de Paris aussi. En fait, elle est voilée, tu vois. Elle est voilée, c'est plus polémique, un peu là-bas, tu vois, c'est un peu sensible. Et t'as vu, moi, j'ai fait le son avec elle. Même dans la musique, tu vois, c'est pas un truc bizarre. On parle pas de sexe ou ce que tu veux, on parle d'amour, de trucs simples. Et en fait, lui, ça l'a pas plu. Wow. Il a fait une vidéo, au début, sur Snap. Non, ça c'est pas comment. Au début, il a pris une photo de moi sur mon Instagram. Okay. Il a pris une photo de moi et il y avait la photo de moi et Wassila, on était au studio. Ouais. Et elle a pris, elle a dit, ouais, mais il se prend pour qui ça noir à prendre une femme voilée, mais va prendre une binta, ce que tu veux, une bintou, une fatou. Et moi, il y a plein. Moi, tu vois, mes fans sont venus me parler, sont venus me dire, ils m'ont dit, mais regarde ce qu'il a mis sur toi. Et c'est parti de là le clash. Hein. Ok. Mais c'est toi qui a fuité la vidéo. Ouais, la vidéo, je l'ai fuité. J'ai vu comment ça s'est passé. Par rapport à tout ça, parce que ça a fait l'effet boule de neige, il y a un ami à moi, en fait, m'a envoyé un WhatsApp. Il m'a dit, ouais, j'ai vu, t'es en clash avec Bassin, c'est bizarre, il fait que de parler de toi sur les réseaux, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit, ouais, il m'attaque par rapport à tout ça, ça l'air. Et il m'a fait, mais tu sais quoi, t'as de la chance parce qu'il n'y a même pas 2 jours, lui, il est avec. Il était avec, tu vois, la femme en question dans la vidéo. Oh. Il la connaît. Et en fait, la fille-là lui a montré les vidéos. Et lui, il a récupéré les vidéos. Il m'a dit, bah, si tu veux, je te les passe. Tu vois ce que je veux dire? Faut t'en dire avec lui, comme ça, tu peux lui répondre. J'ai dit, moi, écoute, moi, je peux pas mettre ça sur mes réseaux sociaux parce que, t'as dit, moi, je suis suivi par des enfants, par des femmes, par d'autres gens. Et je lui dis, je peux pas mettre ça. J'ai dit, par contre, ce que je vais faire, la vidéo, je vais la faire fuiter. Ce que j'ai fait. J'ai fait fuiter la vidéo avec un faux compte Facebook. Okay. Et en fait, moi j'ai relayé l'information. Et je l'ai envoyé en plus. Dès que j'avais la vidéo, j'ai dit, arrête de parler de moi, gros. Sinon, la vidéo, je vais la mettre. La capture, je l'ai, tu vois, je te montrerai. Mm-hmm. Je l'ai envoyé, fais pas trop le malin. Ta vidéo de Kofa, elle va tourner. Et il m'a dit, non, mais sur la vie de ma mère, fais la tournée, tu vas voir, je vais te boycotter de partout. Wow. Mais on peut voir la confirmation? Ouais, je peux. Fais mon téléphone. Sans téléphone. Genre, je montre la conversation. J'ai screené parce que lui c'est un mec, avec ce genre de mec, il faut toujours des preuves. Ah oui, il faut les preuves, ouais, c'est bon, on s'entend tout. Et tu vois, je vais te montrer. Il m'a mis... Tac, t'as vu la vidéo. Voilà, j'ai envoyé ça. Et j'ai envoyé, fais pas trop le malin. Attention, ta vidéo de couvert va tourner, regarde ce qu'il m'a répondu.
Et t'as vu, j'ai dit, ah, il fait le malin en plus. J'ai dit, attends, je vais la mettre. Okay. Mon pote, il a mis la vidéo. J'ai dit, vas-y, mets-la sur Facebook tout de suite. J'ai mis la vidéo. Il est là, regarde, la fuite la nuit. Ouais, il a fuité après quelques heures. Je vais dormir, je me réveille le lendemain. Je vois tout le monde à relayer. Booba, tout Booba, ça. Ouais, j'ai dit, mais. J'ai dit, ah ouais, ça a vraiment pris de l'ampleur le truc, tu vois. Ouais, ça a pris de l'ampleur en tout cas. Il a pété les plombs. Il m'a bloqué. Mais c'est sûr. Il m'a bloqué. Et il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo. La vidéo, je vais vous montrer, c'est la partie de la vidéo là. Il a fait cette vidéo. À toutes ces petites salopes là de rappeurs fragiles qui sont contents parce qu'ils vont pouvoir faire danser des maghrébines soutenues par les fragiles du Maghreb. Véchouille, Scridge, mon paf, à tous ces petites salopes là, dansez, dansez, vous c'est pas encore fini, déplacez-vous, juste, célèbre. Il a mis ça. Et sur tous ses réseaux, il s'excite, il dit ouais, tous les chanteurs comme Scridge, on va les éteindre avec leur son. Et lui, en fait, il a dit quoi? Je vais boycotter la sortie de Tension Samurai. Wow. Tu vois, il a dit je vais faire en sorte que les gens ils boycottent. Ils boycottent, ça, ouais. Et moi, il s'avère, bingo. Je te jure, je devais aller à Lyon le lendemain. J'avais rendez-vous là-bas. Je suis parti. Moi, je fais quoi? Je dis, mais lui, il me prend vraiment pour un petit. Je dis, mais je vais aller où il habite? Tiens, je vais aller où il habite? Ah, justement, j'avais une question par rapport à ça. Parce que est-ce que tu te paies prochainement, tu peux aller à monsieur parce que... Mais j'ai été, moi. Après, ouais, en fait, je suis parti manger là-bas à Lyon. Je suis parti à Lyon, je fais mes affaires et tout. J'ai snappé, tu vois ce qu'il m'a sur Snap. J'ai snappé, j'ai montré j'étais où. C'est vraiment, t'es ainsi chaud que ça, comme tu dis. J'ai snappé où j'étais. Ok. Après, il envoie un Snap, parce que moi, il m'a bloqué. Il a envoyé un Snap sur le compte à mon poste, que je lui ai écrit. Il m'a dit, t'es où? J'arrive tout de suite. J'ai vu que t'étais où. Et c'est une boîte, c'est un restaurant qui s'appelle le. Je sais plus, 59 ou 69, je sais plus. C'est un restaurant connu et il va tout le temps manger là-bas. Et j'ai dit, moi je suis un gamin quand ça, tu m'attaques, moi je fais des trucs bizarres aussi. J'ai stampé là, il n'est pas venu. J'ai été à Vénissieux, où il boit son café tous les jours. Tu vois, il boit dans un café, c'est au combat du quartier, tu vois, c'est un petit café, il boit toujours tous les jours. Okay, j'ai été là-bas, j'ai snappé, j'ai dit, je suis là, t'es où? Viens, on se voit, t'es où? Et il n'a pas répondu. Après, je suis parti, je suis resté 2 heures, mais déjà on discutait pour un autre temps. Après, quand je suis parti, il a remis un snap sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, oui, la prochaine fois, préviens quand t'es là, préviens pas quand tu pars. Tu vois? C'est pas possible. Non, mais c'est un phénomène. Mais sinon, sur une vidéo, il a expliqué comme quoi c'était une vidéo qui date, en fait, la vidéo qui a été appliquée. Elle date pas du tout. Après, même si elle date, ouais, d'accord. Ne même excuser par voilà. Non, mais c'est écrit, mais c'est facile. Mais va pas dire aux gens, fais pas l'imam tout de suite. 2.0, si tu lèches des tétons, disons machallah, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si j'étais prêtre et je rentre avec une calache et je suis là, vas-y, on fait patra. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est exactement pareil, il est contradictoire, ce truc. Et moi, je lui ai dit quoi? J'ai dit, toi, arrête de mentir aux gens, arrête de croiser par quoi du tout. Après, elle a dit, non, mais tu vas voir, ça c'était le passé. Mais on peut tout changer, je dis mais déjà c'était passé, même si il y a 3 ans tu parlais déjà ça, tu revendiquais déjà ta phobie contre les noirs. Tu sais ce que je veux dire? Et il m'a dit quoi? Quand je l'avais eu au téléphone, parce que c'était appelé aussi. Comme il m'avait attaqué avec Wassila, j'avais appelé, on s'était eu au téléphone sur ça. Et il m'avait dit, un noir, ça sera toujours mon frère, mais ça sera jamais mon frère. Ok. Ah, okay. Il était radical avec moi. J'ai dit frère, Wassila c'est pas ta sœur. Wassila c'est une petite, elle a 16 ans, c'est que de la musique. Et la musique qu'on fait, c'est pas de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis musulman, t'as vu ce que je dis? Je sais ce que je fais, je suis pas con. Regarde la preuve, je l'ai pas mis dans le clip par rapport à ça, par rapport à l'image, par rapport à tout ça. Ouais, j'avais une question par rapport à ça. Je l'ai pas mis dans le clip volontairement par rapport à ça. Parce que pour l'intérieur. Parce que moi je joue pas avec les femmes. Ok. Vu qu'elle est voilée, c'est pour ça? Ouais, c'est pour ça que j'ai pas mis. Mais tu vois, j'ai une conscience quand même. Mais c'est juste que lui, il utilise des gens pour c'est comme les cagnottes qui récoltaient pour voyer les gens. En Inde ou bien tu travailles? Là, je suis en Inde, en fait, je suis avec un label qui s'appelle Give Me All. Enfin, j'ai un label qui a développé Axel Tony, Tal aussi à l'époque. Et ouais, ça fait un an qu'on travaille ensemble. Et voilà, petit à petit, je suis mon chemin. Et t'as un projet en cours, un album ou quelque chose qui arrive? Ouais, moi je prépare mon premier album là pour 2018. Et t'as vu, je mise des singles histoire de me faire découvrir un peu plus et que les gens savent vraiment c'est qui Scritch, tu vois. Pour vraiment montrer aux gens que ce que je fais musicalement. Dans la couleur de l'album sera plus comme
pour Wallo, Samira, ça va tourner autour de l'amour. Moi je parle beaucoup d'amour, tu vois. J'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai parlé. Je parle pour l'instant. T'as un passé de rappeur aussi, c'est une affaire. Ouais, je suis du rappeur. C'est même pas une question de passé de rappeur, c'est un passé. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'était pour de vrai. Parce que c'est dans la street. Ouais, c'est-à-dire que je suis un chanteur, rappeur, reggaeman, ce que tu veux, ça reste mon truc. C'est-à-dire que là, je te parlais pas de musique. Là, je te raconte ce qui m'est arrivé en musique. Mais comment t'as basculé alors? T'as changé? En fait, t'as vu, je faisais du rap. J'ai fait et tout. Et je commençais à rajouter des mélos et tout. Je me dis, franchement, je suis super bien. Toi, moi, dans ma tête, tu me dis ça, je pense que t'es ma gueule. J'ai continué, j'ai fait, j'ai dit, c'est vrai que dans le registre pop, urbain, tout ça, flow, parce que je suis un peu meilleur. Pourtant, je rappais bien, hein, je te ferai écouter des sons un peu, si tu veux, en off, je te ferai écouter des sons que je rappais avant. Ouais. Ça reste correct, hein, ça reste du bon rap. Mais je me sentais plus à l'aise en chant. Ah, ok. Et j'ai été amené petit à petit à faire ça. C'était un plaisir, on te reçoit maintenant, il a Eclipse, tu vas jouer ce soir, parle-nous un peu, qu'est-ce que tu réserves au public belge? Franchement, déjà, merci à l'Eclipse, parce que c'est un établissement belge. Bon, on m'a dit qu'ici c'était l'une des meilleures chichas, des meilleurs établissements. Oui, donc voilà, pas le track, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que je viens en Belgique et le public belge, je sais pas du tout comment dire. C'est-à-dire, j'ai vraiment hâte de me reproduire ce soir à l'Eclipse. Et un grand merci encore à eux et voilà, je suis chaud. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter que j'ai pas pu dire. Non, t'inquiète, les projets arrivent et. J'ai envie de faire découvrir autre chose aux gens, parce que les gens ils m'ont toujours vu dans le thème de l'amour. Mais derrière, il y a des vrais projets qui arrivent, des gros sons. Et ça parle pas que d'amour. Ça parle aussi de quartier, de rue, de trahison, de ce que tu veux. Mais de moi, quoi, de ma vie. Alors ça a été un plaisir de te recevoir dans notre émission des Mouv' Max. On te souhaite le meilleur pour la suite. Ok, merci. Merci B Events, en ensemble. Merci. Matusalem, pour Wello. Ce soir, la go, elle va te faire Wello. Elle sort en club, pour Wello. T'as un gros boule, pour Wello. Matusalem, pour Wello. Ce soir, la go, elle va te faire Wello.